Les gens, je comprends pas. Il se passe quoi là? On m'a dit que je devais ouvrir un. Enfin, que j'ai. On m'a dit que je devais devenir chef d'un hôpital, mais moi, j'ai pas compris. Je suis pas infirmière. Bon, bah, on va faire ce qu'on peut. Je vais récupérer l'argent. Ah, bon, tant pis. Très bien. Alors, fonctionnel. C'est trop bien! Machine de guérison de noob. C'est gentil de dire qu'on est des noobs. C'est gentil. Je ne peux créer une réception pour le moment. Ah, pardon. Nécessité. Réception de patients. Je vais la mettre ici. Bureau de diagnostic noob. Ah, il y a un emplacement. Ah, pardon. Maintenant, il me faut ça. Et je dois le mettre là. Et je vais aussi en mettre un là. Ensuite, il me faut une machine de guérison. Alors, je comprends rien. Je suis pas spécialiste, les gens. Donc, dites-moi si. Voilà. Non, mais t'imagines tous les infirmiers qui regardent la vidéo sont en mode PLS. Moi je suis nulle. Ok, mur blanc et beige. Ok, je dois mettre ça où? C'est génial, mais je fais ça comment? Je dois le placer genre. Enfin, non, si on spécifie. Il est où ton emplacement spécifique? Non, mais je. Ah là. Là. Ah là. Pardon. Gérer. Travailleur, embaucher une nouvelle infirmière. Médecin, embaucher un nouveau médecin. Installez-vous dans le siège du chauffeur de votre voiture. Ok. Conducteur. Suivez la flèche rouge pour aller à Sixville. Ah, alors Six, pour tous ceux qui connaissent pas. Ouf, je fonce dans tout. Six, ça veut dire malade. En gros, il n'y a que des gens malades dans cette ville, c'est génial. C'est-à-dire que nous sommes la bonne personne. Parce que j'ai loupé la sortie. Vous voyez tellement je suis nulle. Ah mince, j'ai enlevé la lumière. Ah, il y a un muséum. Trop stylé. Ok les gens, on y va, on y va, on y va. Ah mince. Sauve une personne infectée. Très bien. Ok, je vais me mettre là. Sauve. Ah mince. Sauver. Allez hop. Comment on fait? Mettre dans le véhicule. Attention monsieur, vous voyez tout le monde est infecté. Alors vous inquiétez pas, nous sommes pas des fous. Nous sommes juste là pour s'occuper de vous. Nous allons vous guérir, vous inquiétez pas. Hein. Je suis spécialiste. Il faut pas douter de moi. Hein. Vous inquiétez pas, je vous dis. Vous allez pas mourir. Faites-moi confiance. Là, par contre, je sais pas rouler, c'est une dinguerie. Allez, nous sommes arrivés. Je vais me garer. Je suis pas spécialiste dans le garage. Chantez la personne infectée de votre voiture. Ok, pas de soucis, ma reuf. Enfin, mon reuf, je sais pas qui tu es, tutoriel. Allez, bien, monsieur. Alors, vous appelez comment? Ok, je m'en fous. Ah, vous êtes une madame? Ah, excusez-moi. Il faut relâcher. Allez. Allons-y, maintenant vos travailleurs s'occuperont de votre premier patient. Quand il sera guéri, tu gagneras de l'argent. Maintenant, ouvrez le Virustex. Dans le Virustex, vous pouvez voir toutes les informations sur les virus débloqués. Classe de rareté, matériaux requis, travailleurs requis et plus encore. Maintenant, fermez le virus. Attends. Rareté ordinaire, ailleurs nécessaire, infirmière, score de guérison par guérison, 100. Temps de récupération de guérison, 60. Nombre de guérison, 1. Était le temps de recharge, 120. Besoin d'un lit, oui. Besoin de ce type d'équipement, machine de guérison de noob. Récompense, 600. Maintenant, je vais vous montrer comment débloquer de nouveaux virus et autres. Ouvrez d'abord le menu Gérer. Rechercher. Ici, vous pouvez rechercher des objets pour guérir de nouveaux virus et également des urgences pour livrer des patients.
Commencer la recherche sur le travail excessif. Commencez. Alors, tutoriel terminé. Maintenant, il est temps de gérer votre empire hospitalier. N'oubliez pas de placer la machine de guérison dans le pour le virus que vous venez de débloquer. Ok, donc là, je dois aller dans quoi? Bâtiment. Oh non, c'est pas ça, c'est fonctionnel. Canapé. Psychanime. Voilà, je sais pas ce que c'est, mais... Voilà. Je sais pas. Je le mets où, les gens? Je pense que je vais le mettre là. Hein. Ah, je vais le mettre là, en fait. Je vais aller dans ça. Je veux pas déplacer les choses. Parce que j'aimerais bien le décaler là, en fait. Ah, il y a plusieurs étages. Oh, trop stylé. Ah, Aya. C'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Ouf, voilà. Voilà. Comment elle s'appelle? C'est Linda Amar. Eh ben, attends. Ah ben Marcus. Mais j'ai vu une Amar, non? Ah non. Oh, j'ai dû rêver. Bon, allez les gens, on va... Ah. Attends, comment on fait? Ah, voilà, ici. Vous êtes prêts? On va rechercher des gens. Ah mince, non, mais je vous dis, je casse tout. Faites pas attention, je ne fais que de passer. Allez, on va à Six City. Ah. Je pensais que ça s'enlevait aussi, ça. Et un cimetière. C'est le cimetière de qui? C'est qui? Ici se trouve. Plutôt. Ah bon, bah, je sais pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui est mort ici, apparemment. Non, pas le passager. Comment on fait? Conducteur. Ah, voilà. Allez les gens, on va choper des gens, les gens. On va choper un homme parce qu'on a guéri une femme. Toi là, Tyler. Tu viens là. Je vais te sauver. Allez monsieur Tyler. Vous inquiétez pas. Vous êtes entre de bonnes mains. Rappelez-vous, vous êtes à Six City, la ville avec le plus de malades, mais avec les meilleurs... Les meilleurs docteurs. Attention, route dans les gens. Ah d'accord, ça fait rien. Je m'attends à mieux. Attention, je roule sur les trottoirs. C'est lui qui a pas compris que le but c'était de sauver les gens, il roule sur les trottoirs. Nickel. J'ai même foncé dans des gens, tu vois. Tellement je suis une fille qui fait très attention, je suis une médecine. Enfin, je suis docteur, je savais même pas que je l'étais, mais maintenant je le suis, ok. C'est Juliana, la docteur. Voilà. Allez, monsieur Tyler. Ne vous inquiétez pas, je parle comme ça, mais ce n'est pas un problème. Alors, monsieur Tyler, comment? Keisha. Allez, venez, monsieur Tyler. Allez. Alors. Bonjour. Je sais pas comment ça va se passer pour vous, parce que je viens d'arriver. Non, par contre, on fait comment? Ah, Charlève, machin, elle va s'en occuper. Hey, Linda! Comment tu vas? Maldim Noob Virus. Ah, on peut savoir, c'est trop bien. Elle a 38 ans! Eh ben. Et toi, va. Elle a 25 ans. Elle est féminin, du coup. Tyler Keisha. Il a 67 ans, Tyler! Eh ben, il les fait pas. Et c'est un mâle! Et on sait pas, du coup, sa maladie pour l'instant. De guérison. Et toi, t'es qui? À 64 ans! Et punaise, c'est une dinguerie, les gens ils sont vieux ici. Alors, tu es quoi? Tu as le Noob Virus. Ok. Bon, je crois qu'on va rechoper des gens. Hein. Occupez-vous de Linda là. S'il vous plaît. S'occuper d'elle, merci. En tout cas, on a deux patients. Du coup, c'est plutôt pas mal. Linda, elle est bien. Tyler, on est good. Ok, ok. Je vais remettre... je vais aller rechercher des gens. Alors, je vais siéger à la place du conducteur. Tu sais, il écrit siéger, du coup, bah... Ok, faut que j'arrête de parler parce que je suis vraiment chiante.
Ok, on repart à Sin City, la meilleure ville du monde, la ville de tous les malades. Voilà. D'ailleurs, est-ce que vous serez plus dans la team Six City? Genre, vous vivrez plus dans la ville de Six City. Toi, je vais te choper, Marose. Tiens, je te dis de venir. Mais viens! Et puis, mais elle est chiante, là. Hop là. Allez, Joya, Francisco, je ne sais pas quel est votre âge. Ah oui, je vous fais rentrer dans la voiture. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ouais. Ah mince, les arbres, ils s'enlèvent pas. Du coup, je disais, oui, est-ce que vous pensez que vous serez plus quelqu'un qui habiterait à Sex City? C'est-à-dire que vous êtes tout le temps malade. Moi, franchement, non, parce que je suis quasiment jamais. Pour vous dire, je n'ai rien pour l'instant. Je sais pas si vous avez des choses, mais moi, j'ai rien. Oh, il y a un patient guéri, je crois, c'est Linda. Alors, attendez, on va sortir le passager parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, qui c'est qui est sauvé? Oula! Oula! Alors, du coup, qui êtes-vous? Jeune dame? Ok, on peut pas savoir. Mais là, il se passe des choses assez bizarres, hein? 64 ans et 67. Bon, en soi, vous êtes à peu près à le même âge. Bon, c'est qui elle? Joya Francisco. Aya, Ava, occupe-toi de Joya. En plus, vous avez quasiment le même prénom, c'est génial. Va t'occuper du patient, Ava! Tu vois pas qu'il y a un problème là? Bon, Ok, je vais pas me poser de questions. Bon, j'espère que Linda, ça va du coup. Bah oui, c'est logique. T'inquiète pas, Joya. Tout est second. Ah non, je crois qu'elle avait une grosse tache de chance, j'ai eu peur. Ah, ça y est! Tyler, ça va? Ah ouais, bon. Toujours aussi débile. Ah, enfin, quelqu'un de jeune. Elle a 25 ans, Joya. Bon. Je sais pas ce qu'elle a, mais j'espère que c'est pas trop grave. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis vraiment malade. Ah, je vois. Je suis désolée pour ça. Tais-toi et dis-moi ce que j'ai. C'est quoi ton rapport? Vous avez le Noob Virus. Ok. Donc c'est un... Elle a le Noob Virus. Mais du coup, on a toujours deux patients. Donc on va attendre. T'inquiète pas, mon ref. Tyler, tu vas guérir. Tiens, installe-toi là si tu veux. Tu peux te mettre bien. Mais en vrai, je sais pas comment on fait pour... Je crois qu'il faut faire... Attends, j'ai combien de thunes? J'ai 11 600. Je vais faire bâtiment. Voilà. Et après, je crois qu'il faut que j'aille dans mur. Je vais au deuxième étage. Et là, il faut que je fasse les murs. Donc, je fais ça. Je fais ça. Après, comment on tourne? Comment on fait pour les... Échanger de sens. Ah, c'est R. Attention, R. Ah oui, génial. Ok. Là, on prend ça. Oh, punaise, c'est cher. Hein. Ok. Voilà. Et je sais pas si... Ah, s'il faut mettre un escalier. Mais je crois qu'il faut que j'aille au premier étage. Comment on met un escalier? Enfin, où je le mets, enfin, je dois le mettre où en fait?
Comment ça se met ça? Je dois le mettre où? Je sais pas où je dois le mettre. Et... Oh, j'ai pas de place. Ah bah... Tyler il est guéri. Les gens, Tyler il est guéri. Je crois que c'est une mauvaise idée de me mettre là. Oh, punaise, je suis débile. Ah si, on peut supprimer, j'ai eu peur. T'imagines? Ok. C'est bon. Attends, je vais tenter de monter. Ah ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est impossible. Donc je fasse ça. Avec Tyler. Loulouloulou. Ah. Ah. Bon, on s'en occupera une autre fois. Alors par contre, c'est génial parce que Tyler est guéri. Ce qui va nous permettre... Mince. J'ai fait une bêtise là, non? Ah non, ça va, j'ai eu peur. Du coup, si Tyler est guéri, ça va nous permettre de... de choper un autre gens. Et de le mettre en prison. Non, je rigole. Ça va nous permettre de soigner un autre champ. Alors. Oh, qui c'est qui a fait ça? Super bien. Hein. Eh, les clients, là. Notre devise, c'est... je sais pas, mais voilà. Alors, elle est où, notre... notre Julia? Ok. T'inquiète, Maros. On va te choper des gens parce que t'es toute seule, la pauvre. Pauvre de elle. Hop là, c'est parti. On va aller chercher des autres gens en plein jour. Au moins, on fera moins dans l'ambiance zombie, parce qu'ils marchent vraiment comme des zombies, c'est mongol. Allez, Six City. Le premier qui passe, je le prends. Ok, c'est bon. T'es qui? Ted. Allez, Ted, tu viens. T'es le mien. Alors, Ted, Laurie, t'en fais pas, je vais te mettre dans le coffre. Comme toutes les autres personnes qui sont venues dans notre hôpital, ne t'inquiète pas, ils sont tous satisfaits. Mim, 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 fiu, mim, mim. Mince, mince alors, j'ai cassé un arbre. Alors, je sais pas si les gens ici sont anglais, parce que en Angleterre, je sais pas si vous le savez, mais on roule à gauche. Et en France, on roule à droite. Du coup, moi, je roule à droite, mais si ça se trouve, il y a un jour, il va arriver et... il va nous taper. Moi, je crois que c'est un truc anglais, parce que le volant, il est là. Il est pas là. Non, 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 c'est bon. Non, c'est un truc français. Ah oh, mince, j'ai oublié le client dans le coffre. Désolé, monsieur Ted. Allez. Non mais arrêtez de mettre des trucs par terre. C'est énervant. Je vais voir pour un concierge. Je vais regarder pour un concierge. Un concierge. Comment on fait déjà? Ah oui, gérer. Alors, travailleur. Concierge, c'est combien? Ah bah c'est gratos. Génial. Et le chirurgien, c'est gratuit aussi. Mais c'est génial. Du coup, elle est où notre... Elle est où Ted? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, en fait, ils disent tout le temps la même chose. Alors, on va chercher... Ah, elle est guérie J'ai même pas fait attention. Bon, bah on va pouvoir partir, alors. Hop là. On va aller rechercher un joint. Oui, on... Ok, attention. Je vais tenter de prendre une meuf. Oh, elle. Ellie. Hop là, t'es à moi. Hop là. Mettre la personne dans le coffre. C'est la maltraitance animale. Pardon,
J'ai jugé mes clients. Attention, je sais pas où aller. Oui, on... Allez, time fait bas. Et on est très rapide ici. Hein. Alors, je sais pas s'ils sont là, les nouveaux gens. Attends, déjà, je sors le client du coffre. Hop là. Ah mince. Hop là. Attention, nouveau gen. Alors, relâchez. Alors, Ted, tu as le noob? T'es un noob. T'as 20 ans. Ah, t'es le plus jeune que j'ai eu. Ok. Bon, j'ai hâte de voir si. Ah, c'est Aileen! Oula! Non, mais ça me fait rire. C'est une dinguerie. Elle lui fait quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Il faut m'expliquer en fait. Ah, le concierge! Il est arrivé. Parce que la manière de nettoyer, elle est incroyable. Du coup, et on avait pris un chirurgien aussi. Je sais pas s'il est là. Ah, alors elle a quoi? Oh! Elle a un problème? Non, pas toi. Toi, je m'en fous. Elle. Peu commun. Maladie surmenée. Rareté, peu commun. Phase de guérison. Prochaine phase de guérison dans. Ok, 30 secondes. Waouh! C'est la première qu'on a de feu. Il est où comment il s'appelle? Il est déjà notre autre client. Ah oui, Ted. Peut-être ça va mieux, j'ai l'impression. Ouais, dans 1 minute, il sera guéri. Bon. Eh ben, moi, je vais aller chercher un client. Parce que de toute façon, Ted, il va partir de notre... Établissement, voilà. Oui, oh, venez, on va chez les gens. Ah, dis-moi si on peut. Mais c'est trop bien. En fait, y a pas que là-bas qu'on peut le chercher. C'est qui lui? C'est Kevin Ryan. Alors, je vais te mettre là-dedans. Kevin Ryan. Je sais pas qui t'es, mais voilà. Tu vas être notre nouveau patient, t'inquiète pas. On kidnappe pas les gens, on fait pas du kidnapping. Mais on enferme les clients dans le coffre, c'est normal. T'inquiète, on a toujours fait là. On a toujours fait ça. C'est la base chez nous. Kidnapper les clients, c'est comme ça qu'on fait. Et après, hop, ils sont guéris. Allez, hop. Alors Ted. Ah bah il va sortir. Attendez, on va le regarder partir. Ted, tu vas nous manquer. Passe une belle vie et ne te fais pas recontaminer. Oh là là. Bye bye. Patient guéri. Au revoir Ted. Allez, pars. T'es guéri, non? Elle est où, Charlève? Allez, fais partir Ted. Son Quaid. Attention! Patient! 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 Au revoir. Ils vont où en fait? Je vais te voir où il va. Il est dans ses tenues, genre. C'est qui elle? Teslino, je peux quitter mais. Ted, tu vas où? Oula, il y a un patient qui n'est pas dans son lit. Oh punaise! On a du temps en plus.
Il est où? Il est où? Oh non, on l'a perdu. On a perdu un client. C'est qui? Ah, c'est l'autre que j'ai ramené tout à l'heure là. Ah. Oh. On va partir à sa recherche. Aïe. Lui, on pouvait pas le casser. Ah, oh, je sais pas où il est. Punaise. Bon, bah, tu sais quoi, je vais repartir à la ville. Pas elle, mais elle là-bas, du coup. C'est celui que j'avais pris, lui, qui s'enfuit. Ah, oh. J'ai failli atterrir dans le lac. Impossible de remonter. Donc on va éviter. Je vais prendre elle là. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Allez, rien, Ruby. Tu seras notre nouvelle patiente. Allez, je trouve qu'on s'améliore, hein, en vrai. Qu'est-ce que vous en pensez? Où je vais là? Je crois que je suis partie du mauvais sens. On ne sait quoi, je vais faire demi-tour. Ou je vais faire tout le tour. Il y a moyen en vrai, non? Puis on va au pire endroit, genre. C'est génial. Quoi, j'ai repassé là, sur le pont là. Et je vais chercher l'autre pot. Ah, il y a un patient qui est guéri. Putain, je me suis perdue en fait. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas lui. C'est pas lui. Faut que je fasse le tour de... Ah, mon hôpital, il est là-bas. Eh bé. En fait, moi j'ai le pire pont. Tous les ponts ils sont stylés et moi j'ai lui. Je mange le poteau tout le temps en plus, c'est bien chiant. Bonjour. Elles ont eu peur. Allez, viens, mon ref. T'inquiète pas. Tu es entre de bonnes mains. Allez, hop là. Bye bye. Va regarder ce que t'as. Mais du coup, c'est qui reste? C'est encore celle de feu, là? Oh. Ah, ça va. On a fait quasiment tout. Elle est bientôt guérie. La pauvre Hélène Pierre. Eline. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas comment ça se dit en fait. Allez, vas-y, installe-toi. Je t'écoute. Oh, il y a quelque chose sur le PC. Attendez. Station. Je m'incruste, hein. Vous inquiétez pas. T'inquiète pas, va, je m'incruste. Alors, diagnostic. Docteur Max. Hey. I live in at this instead from you. Train. 24 sur 7. Diagnostic de sang. I'm new there. Oh, wow. Ah, du coup, elle a quoi? Elle a la maladie du noob. Ok. J'aime trop. J'aime trop comment il bouge. Ok, je vais tenter de mettre un. Je vais. Please, faut que j'apprenne à parler. Je vais faire ça. Je vais aller au premier étage. Voilà. Et ici, là, je vais supprimer le petit truc là. Et je vais le remplacer par une porte. Comme ça.
Et maintenant, il faut que je fasse une petite salle. Voilà. C'est R. Voilà, voilà. Et comment on fait un sol? Ah, c'est ça. Plancher de béton, c'est pas cher ça. Ouh, je mets des pavés. C'est encore moins cher. Par contre, 80 balles. Oh. Tout va bien. Je vais prendre ça. Ah, je peux pas le mettre là, si. Ok, et là du coup. Ah, ça va. C'est un peu bizarre, mais ça va. Et du coup, là je vais ici. Je passe là, je fais là. Oula, c'est un peu dur, mais ça passe. Hop, voilà. Et maintenant, il faut que je mette tout ce qui est fonctionnel. Donc, hop, cet étage là, moi j'étais là. Machine de guérison noob. Il faut mettre le canapé. Nécessité. Lit d'hôpital. Je vais le mettre là et on va mettre ça ici. Mince, j'ai pas les sous. Bon, c'est pas grave en vrai. Mais comment on fait pour mettre un toit? Bâtiment. Ah, faut faire ça. Ah, mais j'ai plus de sous. Bon, tant pis. Là. Allez, ah, on y va. Ah, qui c'est qui est guéri là? Je crois que c'est. Elle est où? Y a Harry. Enfin, Ruby. Ruby Harry. Ok, bon, bah, je vais rechercher un genre. Et ça coûte combien la voiture? Ah, oh, bah, punaise. 5 000! Ok, on va attendre. Ok. En plus il pleut. Je sais pas qui est dehors en ce moment, mais dans la ville de Sick City là. Ah bah plein de gens. Il y a vraiment beaucoup de gens qui se disent ah, on va dehors. Il pleut. Allez, on va prendre elle. Je sais pas t'es qui, mais allez hop, tu viens avec moi. C'est qui c'est? Joyka, Joyce, Joyce City, parce que j'allais dire Joyka. Joyka, je le connais, hein, c'est un youtubeur, mais bon, je le connais pas personnellement, mais voilà. Mais c'est un garçon. Si elle c'est une fille, ça se voit que le jeu il est pas français. Aïe. Mince, je voulais faire une marche arrière en continu. Attention. Ok. Here we go. Bon, allez. Hop là. Hop là. Allez, hop là. Allez, viens, ma Joyce. Voilà. Ah ouais, elle va direct au... Elle va direct chercher Connett, hein. Ah, mais il y a déjà deux personnes. Il y a qui? Il y a Ruby Harry. Et elle est où la deuxième? Ruby, elle est soignée.
Ah mais il y a elle. Bon bah c'est bon. On va avoir Ruby. Bon les gens, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire du coup si vous avez aimé du coup la vidéo. Et ben dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2. Voilà, et donnez-moi des idées de vidéos hein, aussi dans les commentaires parce que je vais essayer de faire une vidéo tous les jours pour les vacances. J'étais pas mal absente, au moins ça me fait rattraper. Et voilà, donc bisous tout le monde et sur ce, ciao ciao!